Bonjour mes chéris. Alors c'est vrai que Christa et moi on rigole beaucoup, on raconte beaucoup de bêtises, mais il y a des choses beaucoup plus sérieuses. Et on a dit qu'on allait tout vous raconter. Alors ça fait depuis 3 jours, ah non, 3 nuits, que je vis des choses tout à fait bizarres. Je fais attention à ma consommation électrique avec mon ordinateur. Tous les jours je vérifie. Et depuis 3 nuits, je suis dans le noir le plus complet. Donc, pour ceux qui connaissent, ça, c'est le tableau de contrôle. C'est le tableau de contrôle, le tableau de commande. Ça, c'est le tableau où je demande de l'eau chaude ou du chauffage ou l'air climatisé. Et ici, là, j'ai le niveau d'électricité côté conducteur. Donc c'est pas mal parce que ça fait un petit moment que j'ai pas roulé. Et là, je contrôle le niveau d'électricité dans l'habitacle. Donc vous voyez, c'est au vert complet, j'ai l'électricité à fond, à fond. Et depuis 3 nuits, pendant la nuit, il se décharge en totalité, ici donc. Ça s'éteint complètement et je n'ai plus une goutte d'électricité. Même les deux panneaux s'éteignent. Pourquoi? Je n'en sais rien. Donc demain, je vais téléphoner à Carhabitat pour voir si il me conseille quelque chose. Comme pas loin, il y a des réparateurs, je vais voir si certains réparateurs pourraient voir ce qu'ils peuvent faire. Mais en tout cas, la nuit, je me retrouve dans le froid, dans le noir, et le matin, je n'ai pas d'eau chaude et c'est même pas la peine que je pense à mettre le chauffage. C'est génial. Voilà, à fond dans l'aventure du camping-cariste. Le prendre mal, ça servira à rien. M'énerver, ça servira à rien. Pleurnicher, ça servira à rien. Il faut relativiser, il faut le prendre avec le sourire, comme d'habitude. D'habitude, je souris, vous me connaissez maintenant. Ben, je continue de sourire. Je viens d'entendre la mise juste derrière moi. Tu viens dire bonjour? Oui? Voilà, elle fait sa petite vie maintenant. Vous en saurez plus aussi sur Cassie et sa petite vie jeudi. Bye bye!